Folgt nun für eine Minute Herr Kollege Le Hirec. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, il est révoltant qu'un peuple, le peuple palestinien, à Gaza notamment, subisse une quadruple peine. Un blocus, une occupation, l'enfermement d'une partie de sa population dans les camps de réfugiés, des attaques guerrières et meurtrières de l'armée israélienne qui a détruit maisons et infrastructures, tué, blessé des milliers de personnes. Et voici maintenant que la structure internationale, la main qui les secourt en quelque sorte, l'UNRWA, est financièrement asséchée. Il ne faut pas laisser faire et trouver les moyens pour combler rapidement les déficits de l'UNRWA. Ceux qui se sont engagés doivent verser leur part. Comment peut-on trouver tant d'argent pour le surarmement et la guerre et ne pas en trouver pour l'aide humanitaire pour la vie d'enfants innocents? D'autre part, nous avons la responsabilité de créer les conditions d'une protection du peuple palestinien et d'agir pour que ce peuple dispose de sa terre et de son État. Merci bien. Vielen Dank, Herr Kollege Le Hirec. Es folgt nun für eine Minute Herr Kollege Howitt. Thank you very much, President. UNRWA have called on the EU to make an extraordinary contribution, and my group says we should, to an organisation which is itself extraordinary.